Hey, coucou à tous et bienvenue pour l'épisode 8 de la saison 2 de Destiny. On va retrouver notre petite famille d'enfants, d'adolescents et d'enfants, puisque le malheur s'est abattu sur la maison, mais ils vont déjà mieux et les enfants grandissent puisque Frezia est devenu maintenant un adolescent. Il a été relooké, j'espère qu'il vous plaira. Et puis, let's go la vie, c'est parti, on les rejoint. Ok, donc du coup, je rejoins à peine la famille, on a Elebor qui est déjà debout à 6h18 du matin. C'est un scandale, oui, il est de bonne humeur, il a bien dormi, tout ça, il va se taper son petit déj tranquille. Et aujourd'hui, c'est le réveillon du jour de l'an. Je vais essayer d'inviter un peu la famille et tout. Le beau Frezia est en train de dormir, comme vous pouvez voir, j'ai gardé sa coupe de cheveux de ma période enfant. Parce que je trouve ça logique et ça lui va de toute façon très très bien. Oula! Drama is coming! Frezia, je t'ai pas vu te lever! Ton frère est dans son bain! Attendez, est-ce que passe un truc chelou là? Pourquoi ils sont pas choqués? Ah si, ça y est! C'est le petit qui est choqué de voir le grand ne l'a pas vu. Le grand est complètement dans les choux, il dormait encore à moitié. Alors, il y avait quoi dans cette boîte aux lettres? Un robot! On a encore un jouet? Non mais c'est bon, les jouets, on en a partout quoi. Ah bah super Frezia! Super pour la baignoire! Ah bah c'est bien Neil, super pour l'appareil photo! Génial! Bah tu vas appeler service de réparation mon gars. Hein. Et lui court, hein, c'est, comme ça il arrêtera de casser les choses. Toi tu parles avec qui? Ils sont bizarres ici, ils discutent à travers le truc et tout. C'est très étrange. Dans les affaires que notre Edelweiss a fouillé un petit peu, elle a retrouvé des clichés. Séance photo qui avait été faite avant le départ en vacances de ses parents. Ça s'est ajouté au gros mur de photos, quoi. Puis une photo de ses parents. J'avais même pas vu qu'elle avait été cramée. Qu'est-ce que t'es pas... Bah dis donc. Mais qu'est-ce que tu veux... Elle va pas... D'accord. Elle est partie boire un toast avec des inconnus qui sont sur le banc d'en bas. Non, mais oui, bien sûr, Edelweiss, bien sûr. On va commencer avec Edelweiss à faire à manger pour inviter la famille pour le réveillon. Camélia qui demande à Glycine si elle veut, elle a envie de faire un bébé. Et elle demande à une enfant. Bien sûr. Bah, vas-y, hein, oui, fais un gosse. Hein. Camélia n'arrête pas. Elle est en cloque H24, la meuf. Elle va nous répondre combien, en fait. Elle est déjà 5 enfants, dont Chantal, je sais plus, c'est elle, Chantal, c'est celle qu'elle a adoptée. Mais elle en a 4 naturelles, quand même. Hein. Comment va notre beau Bleuet? Bleuet et 3... Oh, la vache, la dégaine. Bleuet, 3 enfants. Et Doronic, qui, lui, a eu 3... un enfant. Attendez, c'est... Oui, Doronic a bien eu un enfant. Ce qu'on peut dire, c'est que l'arbre généalogique, à partir de Papa François est un peu bégouze. Oh la saleté! Oh la saleté! Mais tu nettoieras quand même après tes conneries. Je te jure, Glycine, tu vas finir enterré dans le jardin. Hein. Bah oui, hein. T'es une fleur après tout. Ah super, je fais participer les garçons à la cuisine et puis j'allais le faire pour elle et j'ai vu qu'elle mettait la table. Eh bien, tu te rattrapes, hein? Bravo. Oui, le dîner est servi. Oh non, elle a cassé la gazinière. Appelle le mec tout de suite. On peut pas vivre sans gazinière non plus, hein, à un moment donné. Voilà, on a invité pas mal de gens pour la soirée. Ah, oh, ils sont beaux, ils s'habillent tout bien comme il faut. Oh, Jim, ma belle. Ah ouais, bah elle a fouillé les affaires de sa grand-mère, parce que c'était même pas sa mère. Et elle a trouvé cette magnifique robe. Ça vous rappellera peut-être quelqu'un, hein, Anémone, voilà quoi. Allez, on met la musique fort, on sort les confettos. C'est la fête. Ah, ça y est, les invités commencent à venir. Allez, c'est la fête, c'est la fête, c'est la fête. Ils arrivent. Énervé ou déprimé, c'est super agréable des invités comme ça. Doronic, c'est le pire quoi. Le mec, à peine il rentre dans la baraque, c'est directement pour se servir dans le frigo. C'est vraiment un rapia. Oh oui, elle a gagné 64 simflou sans aller bosser. Edelweiss, c'est bien. Ah ben Camélia est là, elle a fini par un réveil. Vous allez déprimer la pauvre. Oh, il est quasiment 22h, tu vas annoncer le grand repas. Voilà. Elle est trop belle Edelweiss. Eh, c'est qui ce petit bout là? Paul Dupré. Ah, je pense que c'était le fils d'Alexandre. Ah là là, ça en fait, hein, des enfants et tout. Hein. Oh, Bleuet là! Bleuet a trouvé la... Bleuet pas l'air net, hein. Bleuet n'a pas l'air net. Mais arrête de gigoter dans tous les sens, tu me stresses! Et j'en peux plus de ces Sims, hein, je vous jure. Hein. Oh, il a fumé un truc, lui. Non, il est pas net ce soir. Mais si, je suis très net. Ah, oui, Camélia, je l'ai vue, elle est bien enceinte. Ah, la saleté. C'est 5e enfant, tout va bien. Frezia, tu vas pas être couché alors que c'est la fête, là. En plus, il va être minuit. Oh là là, changer de tenue, fais-toi tout beau comme tu étais, là. On va regarder le décompte jusque minuit. Oh, mon Dieu, ils vont pas tous le faire. Ça va être chouchoubite dans très peu de temps. Une nouvelle année triste, mais une nouvelle année belle aussi, qui promet plein de belles choses pour votre avenir, les enfants. Chouchoubite! Voilà.
Oh, ils sont fait un câlin, c'est trop chaud. Oh, c'est trop beau, ils sont unis. Allez, on boit tous un coup pour cette nouvelle année. Tous. Bon, sauf Camélia, t'as pas le droit. Oh, mais il dort et j'ai même pas fait exprès en plus. Bon, bah, il restera de la bouffe pour demain, hein. Voilà. Les grands, eh ben, vous allez ranger tous merdier. Et petit gamin, tu peux aussi rentrer chez toi maintenant, Paul. Et vous, Paul. 3h du mat et il est toujours là, le gamin. Et c'est le printemps. Et j'ai réinstallé la douche. T'avais pas encore commencé à faire tes devoirs? Ben, il va falloir, parce que bon, toi, t'as le boulot plus les devoirs et les enfants à gérer. Mais qu'est-ce qu'il a, lui? Pourquoi il pleure? Jour férié épouvantable, sérieusement. Dans ta tête, c'était si épouvantable que ça, mec. T'as dansé, t'as vu la famille, tes cousins, tes cousines. Ben, ils vont ouvrir un cadeau et après, ça vire. C'était de la merde. Eh ben, c'est bien fait pour toi. Une carotte! Excellent. C'était de la merde aussi, super. Un morceau de charbon pour glycine, super. Ah, il n'y a que Eleboire qui est content. Lui, il aime bien les cadeaux. Oh, c'est trop mignon. Et en plus, on a encore la douche qui est pétée du cul. Quel plaisir. Allez, appelle le service de réparation. Quoi? Elle a reçu un PC? Mais quoi? Un PC puissant tout en un. Mais c'est génial. Oh, le machin, il vaut 4000 sims flouze. C'est abusé. Et attendez, le réparateur est... Il a rien réparé? Je lui ai démonté sa mère, lui aussi. Bien sûr, hein, pour les oreilles. C'est lui tout seul, hein, moi j'ai rien fait. Et les morts a voulu tout seul jouer du violon. Regardez, il est content. Cadeau parfait. Oh purée, elle est hystérique, elle. Mais non, mais tu vas te calmer. Alors, normalement, c'est bon, parce qu'elle est ado, donc elle risque rien. Elle ne va pas mourir. Mais je ne veux pas que qui que ce soit dans mon jeu dorénavant soit hystérique. Et j'en ai marre des morts hystériques. Marre. Bon, vu que tout le monde est plutôt en forme, eh ben, on va bouger. Je sais pas encore où on va, mais on y va. Oh mince, je les ai emmenés à la plage pour qu'ils puissent profiter un peu, mais il pleut. Ben écoutez, quitte à être mouillé, on peut quand même aller se baigner. On se met en maillot et go, hein. Commence déjà à avoir du monde également sur la plage. Tout le monde est à l'eau. Attendez, il manque Glycine. Glycine, viens ici. Oh non, Edel va se bosser. Oh, c'est tellement dommage. Oh, elle peut même pas profiter. Frisia, lui, il a enjambé l'aquazip et il s'éclate dessus. Oh, ça m'étonne pas, hein. Ouais, je pense qu'il faut que t'ailles bosser. T'es en retard. Ouais, la sieste fut bonne, mais mouillue surtout. Ah, encore une dame enceinte. Julie sympa. Oh mon dieu! Mais non, mais les Sims, c'est pas possible, tous ces poils sur les mademoiselles, même dans le dos et tout, vas-y. En fait, il y a que ses bras et ses jambes qui ont pas de poils, quoi. Attention, tue pas les gens, Frésien. Tu le. Hé! Eh punaise, il a failli tuer le gamin! Ou il en veut après, regardez! Bah ouais, pauvre gosse, t'es en train de le tuer, là. C'est ta proie? Mais c'est ton frère, je suis con, moi, le pauvre gosse. C'est son frère, non, il est mort, a bu la tasse. Bah ouais, bah tu m'étonnes, bichon. Il pleut, il est 8h du soir, c'est plus très agréable d'aller se baigner, il commence à faire froid. Donc, on va rentrer à la maison. Et c'est ton slip qu'on rentre tous à la maison. Génial. Oh yes, Edelweiss est rentrée avec une promotion. Elle était promue au poste de responsable du grill. Bon allez les gosses, ça va être au lit. Parce que là, il va être 23h. Qu'est-ce que tu te lèves comme ça? Parce que tu rentres dans une phase, donc t'as besoin de te lever en pleine nuit. Puis en plus, t'as des boutons. Oh mon dieu, quel enfer. Allez, tu te donnes des paroles d'encouragement. Tu te retraites le visage et tu dors. Tout va bien se passer, Edelweiss. Je sais, c'est beaucoup sur tes épaules. Mais moi, je crois en toi. Je sais que t'es forte et tu vas y arriver. Oh non, tu vas pas faire ça. Tu vas réveiller ton frère. Toute petite note quand même, histoire de... Ça va, il a le sommeil lourd. L'enfer. Bon, Glycine aussi se lève. Oui, je sais, tu as faim. Tu vas manger après, t'inquiète. Aïe, aïe, aïe. Il est son frère qui se réveille. Bon, ça va, il a juste faim. Ah, peut-être que ça les dérange pas, mais moi, punaise, la vache, j'arracherai la tête à celui qui me fait ça. Hein. Un beau petit déj en famille. Ah, j'ai trop hâte de voir à quoi vont ressembler les deux petits. Hein. Franchement, les deux premiers sont beaux, ils sont plutôt réussis. Le choix va être difficile, mais vous savez très bien que je ne ferai pas de choix. Ce sera la roue qui choisira. Hein. Les factures viennent de tomber, 1470. Ils ont tous un projet scolaire. L'enfer du chlu. Donc, on va commencer avec elle et son projet scolaire. Et tout le monde va venir l'aider. Allez, hop. Tu me demandes de l'aide pour le projet, tu demandes à ton frère. On va faire ça chacun leur tour, ça plus ils seront nombreux, plus vite ils avanceront à le faire.
Regardez-moi ce petit conglomérat de, d'enfants. Même les petits s'y sont mis. Mais comme ça, ça va plus vite à faire. Par contre, arrêtez de petite papoter. Hein. On est là pour bosser. Hein. Et voilà, il est déjà fait. Cool. Et sérieusement, en une heure, c'est fait le truc. En une heure. Bon, il a l'air pourri son projet, mais voilà, on va faire les quatre. Hein. Et voilà, un magnifique château. C'est trop bien. Allez, va être 20h. Et c'est pas grave. Par contre, faut pas qu'il se barre, lui. Oh non! Oh, il est parti. Allez, mais vous venez pour aider, hein. Il est revenu, il est revenu, il est revenu, le mec. Voilà, allez, c'est bien. À 5, dans une heure, c'est fini, les enfants. Hein. Et voilà, il a aussi fini. Bon, il n'y a que celui de Frésia qui est nul à chier comme projet. Voilà, vous pouvez vaquer vos occupations, les enfants. Merci. Bonne nuit, Frésia. Et elle m'a pété les toilettes. Je te hais, Glycine. Je te hais. Heureusement, c'est déjà l'heure de l'école, il pourra aller pisser au lycée. Et les bords? Et les bords? T'as pas oublié qu'on devait aller à l'école, là? Et range ton poupon et go. Mince, oui, il n'y a plus d'électricité, il faut payer les factures. Tu peux le faire, Frésia, s'il te plaît. Ah merde, elle doit déjà aller au boulot. Elle est en retard. C'est à quelle heure? 17h. Ah, attendez, laissez-lui le temps de juste avaler un bout de ses pattes et elle va les taffer, promis juré. On est reparti pour un petit tour et puis ça nous permet de voir autre chose que la maison, hein. Et voilà, ça fait ses devoirs, bien sagement, comme il faut. Alors qu'Edelweiss va logiquement bientôt rentrer du boulot. Elle a gagné 72, quand même. Pas grand, hein, comme on dit par chez moi. Hein. Allez hop. J'avais pas fait attention, mais les petits, ils sont pas déjà partis se coucher. Quel courage, hein, mon Edelweiss, il est 2h du matin, t'es pas encore couché. Les deux petits qui sont déjà en train de s'agiter dès le matin, là, moi, ils auront tout fait, ils seront prêts pour aller bosser. Enfin, pour aller bosser, pour aller à l'école. Frésia commence à avoir ses premières poussées d'hormones. Il est pas très bien, c'est la puberté qui arrive. Puberté, les boutons, tout ça, les walpes. Ah, la vie, quoi. Allez. Bonne journée à toi. Oh oh oh. Les notes sont en haut, c'est un B pour Frésia et pour bah pour tous. Non. Attendez, peut-être pas pour elle, j'ai pas vu. Eh non, elle a toujours C. Pas de bol. Il est mignon. Frésia, il aide un peu à la cuisine. Hein, il commence à faire à bouffer. Il se dit bon, parce que tu vois, ma soeur, bah, elle va rentrer tard et tout. S'il fait à manger, il pourra vachement l'aider en fait. Mais aussi, ça va être l'anniversaire de Glycine. Savoir à quoi elle ressemble. D'ailleurs, fait ses devoirs, il n'y a aucune raison, mais pourquoi pas. Trop mime ces petits. Voilà, ils nous le disent aussi, célébrer l'anniversaire de Glycine. Aïe, 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 elle clignote pas encore, mais ça va venir. Ce serait cool qu'on invite quand même un peu la famille aussi. Non, attends, on va fêter l'anniversaire de ta sœur. La pauvre, elle est exténuée. C'est la fête. Me voilà, tu es toute mignonne. Oh, ma biche. Allez, je t'accorde une petite sieste. Et on te t'appellera pour le gâteau. Allez, on met la musique un peu forte. Et on danse. Il n'y a pas d'heure pour fêter l'anniversaire des enfants, d'accord? Il est trop mignon. Mais triste. Vous avez vu les bords comme il est cute. Oui, il a des petites taches. Et, il est mignon. Mais ils sont dehors, mes invités. Et pourquoi ils rentrent pas? Bon, c'est pas la méga ambiance, là. Bon, c'est bon, ils arrivent tous, les invités. C'est génial. Allez, on va réveiller notre petite Edelweiss. Et on va faire l'anniversaire de notre petite sœur de Glycine. Yeah, 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 yeah. Et c'est entouré de sa famille, de ses frères et sœurs que Glycine va grandir et devient une adolescente. Oh, tout le monde fête son anniversaire, c'est trop bien. Alors. Oh, purée, je pense que le look est à chier. À quoi elle ressemble? Oh. Oh là là, c'est tout sa mère, mais... Ah ouais, c'est tout sa mère, mais en cheveux noirs, quoi. Et en peau, une peau un peu plus bronzée. Elle était premièrement joyeuse et elle sera également 1 et 2 et 3 immature. Mmh, super. Ah, oh, j'aime pas les Sims immatures, c'est un truc de fou. Et on va tirer au sort son trait d'aspiration. C'est parti pour tirer au sort son aspiration. J'ai enlevé bien sûr tout ce qui est occulte. On ne s'occupe pas des traits, on ne s'intéresse qu'à l'aspiration ici. Et c'est parti. Suspense. Oh, public ennemi. Oh, la saleté. La pauvre. Elle sera donc dans la déviance et une ennemie publique. Ah, c'est trop triste, moi. Oui, mais bon, la perte de ses parents, tout ça, voilà, ça fait pas... Ça fait des ravages, hein. Ça fait des ravages. Quel dommage. Ouais, elle est jolie, en tout cas. Hein. Ça, elle ressemble vraiment à sa mère. Ah, tes parents t'ont envoyé un cadeau, c'est super. Putain, Alexandre, il a vieilli. Oh là là. Ah, ça fait mal. Bon, après, je dis ça, mais il est quand même 1h30 du matin. Il y en a qui vont être fatigués demain. Oh, les frangins. Par alliance, ils se retrouvent. Oh, putain, quand Bleu, il va devenir vieux, ça va faire mal aussi, hein. Et ben voilà.
Elle commence à jouer avec des jouets. Bon, il est presque 3h du matin, on arrête l'événement parce que là c'est le bordel. Ils vont jamais aller se coucher et ça va être un enfer. À la limite, Glycine n'a pas resté debout parce que elle aura sûrement pas école demain, donc ça va. Mais les autres, c'est dodo direct, hein. Ouais. En plus, les rapias, la prochaine. Ouais, c'est qu'il y en a à faire du ménage, hein. Ouais. Allez, ma Glycine. Je te souhaite une belle nuit. Demain, t'inquiète, t'as pas cours, tu pourras profiter. Bonne nuit tout le monde. Et on se retrouve... Oh punaise, à tes gueules. Et on se retrouve au prochain épisode. Ciao. Et voilà, troisième adolescente dans la maison. Ça va vite, hein, ça va très vite. Je pense que la semaine prochaine, on pourra avoir 4 adolescents à la maison. Et qu'est-ce qui va donc se passer? La sélection de l'héritier? Je pense bien, ouais. En tout cas, ils s'en sortent beaucoup bien. Je pensais que ça serait un peu plus galère pour s'en sortir, mais bon... On avait un petit pactole déjà d'avance, et au moins, on fonctionne pas trop dessus. Et Edelweiss a beaucoup de courage pour supporter et soutenir tous ses frères et sœurs. Le mot de la fin, ce sera pois chiche. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la semaine pro. Le pouce bleu, le commentaire, le partage... Bien sûr. Des bisous et à bientôt. Ciao, ciao.